Attends, je dis quoi? Qu'est-ce que tu veux? Putain, en plus, il y a du soleil. Bonjour, Raphaël Blin, 20 ans, célibataire, non, je déconne. Et ben voilà. Voilà. on va peut-être recommencer. Hein. Bonjour à tous, actuellement on est à La Défense avec JS. Comme vous pouvez le voir à l'arche derrière. C'est ça, et on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on va tourner le trailer des fractures de Playing Card. Voilà, puisque le Kickstarter va pas tarder à démarrer. C'est ça. S'il n'a pas déjà démarré d'ailleurs. Et on est rejoint aujourd'hui par nos bons amis de The Slater sur Instagram. Vous pouvez voir Raphaël juste ici. Voilà. Exactement, ouais, c'est écrit The Slaters. Ah, t'as vu, ça rend bien. Ouais, ça rigole pas. Je titille pas mon téton, hein, c'est The Slaters que je montre. Voilà. Et on vous filmera tout ça cette journée, donc on est parti. Là, on est au bistrot L'Atelier. On a un peu jamé tranquillement, on a discuté avec Raph, et puis là, il est l'heure de casser la croûte. C'est ça. Donc on va, casser la croûte. Allez. Bon, il est à peu près 14h20, là on est encore à La Défense. On a filmé l'interview des Slaters. Et là, on s'apprête à tourner le trailer des Fracture Deck. Donc j'espère que ça va bien se passer. On est toujours autant motivés. Bon, ça va, c'est bon. Ok, on a compris, on est bon, d'accord. Du coup, on vient de finir de prendre les photos pour les fractures. On a fait des beaux petits clichés. On vous en met un ou deux comme ça, là, pour vous faire un peu saliver. Voilà, et puis là, on va filmer encore quelques bails pendant qu'ils sont là. Voilà. Et puis voilà. Donc, c'est une bonne journée. Ouais, ouais. Ça avance bien, on est motivés. Ouais. Ça va Idriss? Ouais, ça va, regarde. T'es content collector, Ah, t'as reçu un petit sac. Exactement. T'es content Raphaël? Oui. Il est content. Oh, bon, oh, là c'est va, tenue essayage. M. Bon, une affiche alors, parce que j'ai pas de M. Oh. Alors, on a monsieur Jean Lameste. Salut. Ça va? Ça va. Il y a déjà une pièce dans la main, regarde. Actuellement, nous sommes avec Jean Lameste et Raphaël Blin. Voilà, et on va faire l'interview de Jean Lameste normalement. Et monsieur Raphaël Blin va intégrer Reborn. Nice. Et il le savait pas, et mais oui, non, oui, non, oui, il le savait. Je le savais. Voilà. C'est l'effet de surprise. Et là, JS lui va partir. Voilà. Il rentre chez lui. Je pars en même temps. Il part aussi. Et moi, je reste avec monsieur Jean Lameste. Et je reste avec lui et on va faire son interview. Du coup, j'espère. On va bosser. Surtout, ouais, on va bosser. Il a des trucs à m'apprendre. Et du coup, on continue, c'est reparti. Franchement, on m'a souvent demandé quel est mon effet en magie favori. Ouais. Je dirais le Matrix, de pièces. Parce que c'est tellement visuel et tellement beau que... Surtout la première fois que je l'ai vu, il était fait par Jean Travellarino, sa cassette. Et j'ai halluciné, quoi. J'ai passé la soirée à essayer de le remonter sur le tapis. Et j'adore cet effet. Okay. Donc je dirais le Matrix de pièces en magie. Après, pour le reste, ce sera les cartes, c'est sûr. En cas, le tour qu'on ne peut pas expliquer de Diver. Ok. Voilà. Il n'y a pas de technique dedans, entre guillemets. Hein. Ouais. Pas de technique digitale. Mais c'est magnifique quand même. Donc ça veut dire que ce côté technique que tu cherches dans la triche. C'est ça, parce que j'adore le mouvement. On le retrouve. Tu je ne le transfère pas forcément en magie. Je ne le transfère pas forcément en magie. Je peux, mais pas forcément. Ok. Et bien voilà, la journée s'achève. On a rencontré plein de super personnes, que ce soit les Slaters ou Jean Lameste. On est parti pour de nouvelles aventures prochainement.